Pierre Joxe, sur le Clémenceau, le porte-avions effectue en ce moment une séance d'entraînement en Méditerranée. Le ministre de la Défense avait déjà rencontré les pilotes et les soldats en Arabie Saoudite, mais il n'avait pas pris contact encore avec les marins. Reportage FR3 Marseille. Pour le nouveau ministre de la Défense, M. Pierre Joxe, cette visite d'une journée sur le porte-avions Clémenceau est le troisième volet de son tour d'horizon militaire. La Marine nationale a également participé à l'opération Daguet. Chacun se souvient, entre autres, de l'embarquement des camions qui avait fait sourire ceux qui ne comprenaient pas que l'armée s'en allait en guerre. Mais cette visite dans la rade, c'était aussi pour rappeler que la principale ligne de communication ou de logistique passe par Toulon. Le ministre, accompagné par le chef d'état-major de la marine, s'est fait présenter les équipages. Car ces avions seront peut-être eux aussi au combat lorsqu'il faudra manœuvrer serré à basse altitude et à vitesse réduite. Ainsi, pour la première fois, Pierre Joxe a pu assister à des catapultages, puis à des tirs réels sur cibles factices, exercice difficile compte tenu des conditions météorologiques extrêmement défavorables.